tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ouais, j'ai récidivé. Pyjama de Noël. Je sais, ça fait de la peine. La fille qui va être à Noël 2 mois avant, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas Noël. Et là, est déjà habillée, en train de lire ses petits livres. Et moi, je suis en train de... J'attends ma belle-mère pour aller me doucher. J'ai encore bien avancé sur les colis ce matin. Je continue. Je me suis pas levée à 6h comme prévu. J'ai pas réussi. Sachant que je me suis endormie à peu près 2h hier. C'est un peu compliqué. Mais je me suis pas levée tard non plus. Je me suis levée vers 7h30, je crois. Donc là, voilà, je suis en train d'avancer sur les colis. Et il faut que j'avance au max. Je suis pas sûre de les poster aujourd'hui. Peut-être je les posterai demain. Je verrai en fonction de si j'ai réussi à tout emballer ou pas aujourd'hui. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. À table, Nani Mia, elle a fait les pommes de terre. Et Babo, il a fait les oignons. Donc c'est les chaussons aux oignons. Chaussons aux oignons. Et pommes de terre. Bon, moi, elle m'a pas mis de lardon du coup. Du coup, entre mon beau-père et ma belle-mère, on a un repas de midi toutes les deux. Et les colis, ça avance aussi. Quoi? Ah, d'accord, je comprends. Elle me dit, maman, elle vient en courant dans le bureau. Maman, il y a un loup. Il est très gros, il mange les petites filles. Ah ouais. T'as eu peur? Steal away, live for the moment you say we'll be just fine. Under the stars, we talk for hours, the tales you spoke so divine. My old friend, where are you going to? Let's raise a glass. Bon, Nico est de retour. Vous vous demandez peut-être pourquoi Nico est toujours en caleçon à la maison? C'est que quand il rentre du travail, Nico il enlève de suite sa tenue de travail. Ouais. Parce que c'est assez imposant. C'est un gros pantalon, une grosse veste, des grosses chaussures de sécurité et tout. Pour ceux qui me demandent toujours, Nico il est sapeur forestier. Et du coup quand il rentre, il enlève tout. Et il reste souvent en caleçon. Bon, en hiver il reste beaucoup moins en caleçon, je vous rassure. Mais là du coup c'est pour ça que quand il rentre, il est en caleçon. Donc moi je finis d'emballer vos colis, il me reste plus grand chose à emballer, non ça devrait y arriver et je vais y aller les poster demain matin du coup. Et Nico quand il rentre il nous fait toujours un bon jus pressé, c'est trop bon. T'as fait quoi là comme jus? Pamplemousse, orange, carotte, pomme. Pamplemousse, orange, carotte, pomme, plein de vitamines, j'en ai besoin vu ma tête. Hein. Ça y est, t'es prête? T'arrives à mettre ton sac à dos toute seule? Bah oui, mais ma chérie, c'est que l'année prochaine l'école. T'étais déjà prête, toi. Déjà prête. On va ranger les affaires qui étaient dans le sac de qu'on a emmené chez Nani hier. Ah, là, tu l'as mis à l'envers. Non. Oui. Non, il faut que tu l'enlèves et que tu repasses dans l'autre. Dans l'autre, voilà, quand même. Non. Ah, tu sais, tu sais plus le faire. M'a pas fait le bisou, mon amour. Elle va me faire le gros bisou. C'est des colis. Oui, c'est des colis que maman elle doit envoyer, ça. Oh, mon amour. Tiens, on va montrer à la caméra. Non, on monte pas à la caméra. On peut pas montrer l'adresse des gens, chérie. Hein. Ah non. Viens me faire un gros bisou, maman. Elle s'en va. Tu dis bonne soirée. Non, bonne soirée. Oh. Bon, on est parti. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Ce soir, on mange en amoureux avec Nico. Et du coup, j'ai mis ma petite robe que j'ai reçue là de chez Vero Moda et en fait, je l'aime bien porter. Et du coup, on va manger, bah, vous verrez ça sur la chaîne de Nico à Ajaccio. Tu vois qu'elle va remettre le lien. Oui, mais elle sera pas sortie, c'est ça vrai. Sert à rien. Nico, il a pas encore tout compris. Je vais pas mettre le lien d'un truc qui est pas sorti. Ouais, du coup, comme d'hab, quand on fait des restos, on découvre des nouvelles adresses. Là, c'est pas une adresse qu'on découvre, c'est une adresse qu'on connaît déjà, où on mange très bien à Ajaccio. Et du coup, là, il y a une soirée ce soir, on va aller manger là-bas. Et puis la mère de Nico, du coup, est gardée là. Enfin, la mère de Nico est gardée là, et après, c'est le père de Nico qui prend le relais quand elle va dormir, en fait. Ouais. Pour rester sur place. Il gère. Ils me font à manger, ils gardent la petite. Il gère.
ça y est, on est de retour à la maison. On a super bien mangé. Vous retrouverez de toute façon toutes les infos de ce resto sur la chaîne de Nico, qui vous a fait une vidéo spéciale sur ce resto, sur la soirée et tout. C'était cool, franchement. C'était vraiment délicieux. Délicieux. Par contre, là, on est fatigué. Il est 1h du matin. On va aller se coucher. Je suis crevée. Et là, en plus, elle s'est couchée tôt. Donc, je pense que demain, elle va se lever super tôt. Donc, ça va être dur à vivre, je crois, pour mes yeux, là. Bref, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à celle de Nico. Ça lui fera plaisir. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.